Malgré tout parler en pile, malgré toute crise qu'a fait nan pays, malgré Jean y a pointé du droit police nationale d'Haïti, mais li pa kite bagay sa yo affecté, et bien li décide continuer travail pour peuple haïtien. Li décide continuer respecter seulement, continuer respecter devise la police là, qui c'est protéger ak servi population. Eh bien, c'est dans l'optique ça, eh bien, agent brigade lutte contre trafic stupéfiant BLTS, mélangé ensemble avec agent douanier nan Miragouane, eh bien, yo saisi plusieurs armes gros calibre ensemble avec plusieurs cartouches. Ça veut dire là, Jean, situation sécurité pays d'Haïti là gen zam qui continue à importer nan pays a. Ça veut dire gen un moun qui bénéficie crise insécurité kap traverser pays a. Mais pas gen arrestation. Pour qui ça pas gen arrestation? Pour qui ça pas gen interpellation? Bien tout si ça nous pral parler de li. Mais ça qui est important là, tout Conseil sécurité l'ONU lui-même il dit inquiété face à la situation pays d'Haïti a traversé là et puis mandé faut gain élection pressé. Mais on l'autre bord entourage Joe Biden président des États-Unis a fait pression sous lui a mandé pour lui suspendre supporter président République là Jovenel Moïse. Bagay yo milye nan moment la pou président. Ki sa k pral pase? Est-ce que les États-Unis a plagué président Jovenel Moïse? Ou bien y a continué supporter le même Jean l'ONU lui-même l'a fait ça pour mandé faut gen élection puisque c'est seul moyen ça ouais pays a ka sorti nan crise que lié là. Et bien rassembler nous pral parler causer. Nous pral di parole, nous pral ba ou information. Bien, pas oublier, abonnez à la chaîne là, activez cloche notification, comme ça, pour pas perdre yon yota nan information nan ken pou pote pou ou yo. Et bien, je nous te annonce ça, malgré Jean situation piya y la, Jean insécurité a blayi nan tout pays ya. Jean gozam a psikile. Tout moun possède des armes légales ou illégales nan peyi a la. Eh bien, malgré Jean moun a mouri, Jean krim a fèt, eh bien, importa tes armes yo pa jam suspann importe tes armes nan peyi d'Haïti. Ça veut dire si on gwo bout ton commerce ke li après kidnapping nan ki pou ba ou l'argent. Monsieur Sayo, yo achete zam lot bo, yo voye le vin en Haïti, et puis pou yo vann bay gang nan peyi a. Ou bien tout, si se prop gang pa yo, pou yo distribuye le bay yo, kon sa, ap toujou gen la troublay nan peyi a, moun ap toujou mouri, et kon sa yo menm, se la dan ki yo menm yo fe beur yo, met la jen nan poch yo, yo voye petit yo l'école, et bien, c'est eux-mêmes qui a bénéficié ça qu'a fait là. Eh bien, malgré toute critique, malgré ça qu'a passé dans pays là, bien la police là décidé lui-même pour rester vigilant malgré au commandement nan mitan yo gen division. Eh bien, c'est ça qui rivé dans douane Miragouane. Côté agent douanier ensemble avec tout agent BLTS Monsieur Sao mené en opération et yo arrivé saisi plusieurs armes gros calibre ensemble avec plusieurs boîtes cartouches dans un conteneur. Bien, bagay ça est vraiment grave. Qui est qui bénéficie sa insécurité qu'a fait dans pays a? Pour qui ça les saisies armes ça au fait pas qu'une arrestation qui fait sur le champ? Puisque
Gon moun ki vouil, gen yon nom moun ki vouil, e gen yon nom moun kap resevwal, e gen moun ki vin chachil. Pou ki sa, pa jam gen interpelasyon, pa jam gen arrestasyon ki fet nan dosye zam si la yo. En tout cas, si sa ou pa fet, konen nou komplis. Bien, la polis tou nan konyon, yo menm yo mene lot opération. Yo arrive libere 7 otaj ki te nan men kidnapè. Bien, opération sa a mene, selon Jean, sa agent interimè commune nan li menm ki se Jean Balaguel Berto li menm li fè konen. La polis mene opération sa nan konyon, nan depa an l'ouest la, nan ou lokalite yo li dekayet, e bien yo libere 7 moun. Menak menm nan kad opération sa tou, ravise yo te gen tan sove, chapi pou yo. Sa ve di, malheureusement, pa gen arrestasyon ki fet. Men kan menm, 7 moun yo libere. Nou bat kan menm, bravo la kontantman pou la polis. Men ap mande, prochen fwa, nan opération yo, eh bien, fòk gen arrestasyon ki fèt. Si pa ka gen arrestasyon, fòk moun nan li menm la loue monsieur Baron. Paske fòk pèp la komanse wè a kle moun ki an fas li kap fèl mal yo. En tout ka, dosye sa ou nan kontinye suiv yo pou nou pote tout denye ti detay yo pou ou. Men, palan de insekirite nan la kou peyi d'Ayiti, konsey sekirite l'ONU, Organisation Nations Unies, li menm li montre préoccupation, inquiétude li face avec situation sa, situation insécurité ka monte à force nan pays ya la. Bien, l'ONU nan tête pal, li fè konnen, eh bien, c'est élection ki pou gen, ki pou sorti nou nan crise que nou yé la. Parce que organisation eh bien conseil sécurité des nations unies lui-même il pensait c'est cause pouvoir qui fait gain ça gain là il pas menti mais c'est même conseil ça qui était inquiété depuis le décret président Jovenel Moïse t'a prend jusqu'à ce que il fait qu'on est pour le ralentir sous décret yo. Eh bien président t'a ralenti sous décret yo. Bien qu'on a l'ONU mandé tout acteur politique pour chercher un dialogue entre eux et puis éviter stratégie politique, stratégie violence là, puisque ça pas être clair devant tout le monde, ni pouvoir ni opposition. Pour une qui a fait pression sur l'autre, c'est violence que eux-mêmes ont utilisé pour ça. Mais l'ONU mandé faut qu'une élection dans le pays. Pendant l'ONU lui-même l'a demandé faut gagner élection dans pays là, entourage président Joe Biden, président des États-Unis là, tout neuf, et bien entourage lui a demandé a fait pression sur lui pour lui suspendre supporter Jovenel Moïse. Est-ce qu'on a dit avenir président Jovenel Moïse a ciré? Puisque là, président Jovenel Moïse son bateau là, et bateau a nan mitan gros vague la mer, la penché du bois. L'ONU vle élection, Joe Biden a supporté, mais l'a subi gros pression nan mi entourage pour le suspendre supporté. Eh bien, c'est ça qui rivé. Côté, congressman Grégory Mix, lui-même qui c'est président commission affaires étrangères, dans la chambre représentant. États-Unis, lui-même, lui écrit secrétaire d'État Anthony Blinken, n'a pas rappelé tout. Anthony Blinken, lui-même, lui te dit, yo pas nan référendum avec Jovenel Moïse. C'est même Anthony Blinken ça qui recevoir lettre Grégory Mix, eh bien, cap montrer, eh bien, inquiétude lui, même Jacques l'ONU. Face avec insécurité dans le pays d'Haïti. Mais, il n'est pas d'accord pour gagner l'élection. Il dit, il n'est pas ouais côté élection à référendum, non, pour le fait,
jan situasyon peyi a e la. E nap sonje, ambasadris, ansi ambasadris Etats-Unis nan peyi d'Haïti, Pamela White, te fè menm deklarasyon sa tou. Yo te fè konen, prezidant Jovenel Moïse, pa abilite pou li fè eleksyon nan peyi a, ni fè referandom. E nou konen, prezidant Jovenel Moïse menm, se de gran chantye li gen pou l'anè 2021, se referandom konstitisyonel ansanm avèk eleksyon. Kounya, ki sak pral pase? Eske Joe Biden ap pran nan presyon? Ou bien, eske l'ap kontinye supporte Jovenel Moïse? Eske tout bon vre antouraj li ap kontinye fè presyon sou li? Bien la, nan mouman la, aveni Jovenel Moïse insèten. Malgré gen l'ONU avèl, malgré gen OEA. Men tout, jan ap gade ba la la, nou santi nou pran, sa ve di, se nan menm rouloa ke nou ye. Puisque se menm les Etats-Unis, Organisation Etat Ameriken, OEA, yo menm yo d'akò eleksyon. Organisation des Nations Unies, ONU, yo menm yo d'akò gen eleksyon. Yon ti franj nan antouraji, pa d'akò. Sa ve di, se pèp ayisyen, tout fason, kap viktim nan sa kap pase a la. Kit gen eleksyon, kit pa gen eleksyon. Men nou menm, nou la, pou nou chache tout denye update yo pou nou pote yo pou ou nan bon timamit. Eh bien, se la tou, nou mette yon bout avek siri informasyon nou yo. Mersi a ou menm ki te prete nou atensyon ak fidelite yo. Nou kase randevou tre pochenman pou yon lot siri informasyon vreman enteresan. En ap invite yo. Abone ak chanel la, aktive kloch notifikasyon an. Kon sa ou pa pedi menm yon yota nan seri enfòmasyon n ap gen pou pote pou yo.